Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous attaquons maintenant les exercices sur le coup libérateur. Ici, une partie de Rubinstein contre Jeanneur. Et les blancs sont méchamment attaqués, surtout par les pièces ici. Donc la question est, comment les blancs peuvent-ils se défendre? Je vous laisse réfléchir. Alors, les noirs ont une dangereuse menace qui est cavalier prend E3 avec prise par le pion, prise par le fou et échec, et la position des blancs devient désespérée. Donc ils jouèrent E4. Un très bon coup, un coup libérateur. Ici le meilleur aurait été dame H4 et après échange fou et du fou et du cavalier, éliminant ainsi les menaces ici. Mais les noirs ont commis une erreur en jouant cavalier E3, pensant que ce serait suffisant. Mais alors, G3, très bon coup. Fou prend E4. Cavalier prend E4. D prend E4. Et roi H1, à nouveau un très bon coup. Qui va permettre de éviter que ce pion soit cloué. Tour prend D1. Tour prend D1. H6, pour éviter la menace sur la dame. F prend E3. Fou prend E3. Et dame C3. Les blancs ont gagné la qualité. Les blancs ont gagné une pièce et ils ont maintenant surmonté toutes les difficultés de cette attaque et ils gagnèrent facilement. Voilà, et prochain exercice dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.